Salut Jean-Jacques. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais perché là-haut? Je suis en train de nettoyer un pin, travaillé Fort Milwaukee, qui a été planté il y a à peu près un an maintenant. À la place d'un pentaphylla. À la place d'un Pinus pentaphylla qui a malheureusement rendu l'homme qui nous a quitté. À cause de la canicule de 2019. Et donc il a été remplacé par un autre pin qui n'a pas été travaillé depuis plus d'un an, et je suis en train de le travailler, et vous voyez, à l'intérieur, quand il y a une mauvaise circulation d'air, les branches meurent. Voilà, c'est un dépôt d'aiguille. Vous voyez, ça c'est une plante qui a énormément de bois mort, qu'il faut retirer bien sûr. Vous voyez, tout ça. Et alors comment tu fais pour permettre la taille en Iwaki justement? C'est alors, quoi la technique? Normalement, il faut avoir des plateaux. C'est travailler en plateau, en boule ou en plateau. Ici, j'ai essayé de travailler en plateau, c'est-à-dire que toutes les branches comme celle-ci qui pendouillent, on les supprime. Là, il y a du bois mort. Vous voyez, on enlève déjà tout le bois mort. Et il y en a beaucoup. Pour garder. Là, il y a déjà des plateaux que tu as déjà formés, mais quand tu pars sur un arbre, tu sais qu'il n'a pas de plateau, tu fais comment? On sélectionne quelques charpentes, c'est-à-dire les branches maîtresses. Là, on voit des anciennes coupes de branches maîtresses qui ont été supprimées pour garder quelques étages, quelques plateaux. Et ça, on peut le faire sur du pin, sur du genévrier, qui marche très bien, c'est le hou. Le cyprès. Le Ilex crenata, petite feuille, le cyprès. Il y a plein de... Et maintenant, ils en font même avec des oliviers. D'accord. C'est pas le top, mais le. Et alors, qu'est-ce que tu nous fais sur celui-là? Alors là, ce qu'il faut, c'est éclaircir au maximum le cœur de la plante, du plateau, pour permettre à l'air de circuler et éviter tout le bois mort, toutes ces aiguilles. Vous voyez, ça, c'est dû à un manque d'air, quoi. Et au printemps, pour couper, vous voyez, quand vous avez une chandelle comme ça, la principale, la plus grande, pour essayer de garder un beau plateau, quoi. Mais ça, on fera ça surtout au printemps. Mais là, ce que je vais faire actuellement, c'est nettoyer, enlever beaucoup de bois mort, les petites branches indésirables, pour permettre une bonne circulation d'air. Vous voyez, tout le coup, il y a les branches. Tout ça, il faut le retirer. C'est un peu long au début, mais bon, si on le fait tous les ans, c'est pas un problème. Pour permettre à l'air de circuler. Vous voyez, tout ça, c'est du bois mort qui n'a pas lieu d'y être, quoi. Et après, vous avez toutes les aiguilles qui s'accumulent. L'air ne circule pas, les petites brindilles meurent. Et il y a encore du bois mort, là. Il faut bien nettoyer. Et essayer de garder une forme un peu homogène, quoi. Retirer les grandes flèches. Ouais, voilà, les grandes flèches comme ça, par exemple, tu les tailles où précisément Oui, on va garder celle-là, on peut le tailler carrément à la base. C'est celle-là qui va reprendre la relève. Ou alors, quand vous avez une chandelle comme ça. Tu cherches les bourgeons, les repousses. Vous voyez, là vous avez une pousse, la plus grande, qui est disproportionnée. Vous voyez, c'est déjà mieux comme ça. Là, c'est. Pareil, vous avez cette branche là, vous en avez une, deux, trois, quatre, cinq, la plus grande, on peut la supprimer. Et celle-là vont prendre la relève l'année prochaine. Celle-là, pareil. Et tu commences quand tu fais ce travail-là de taille en Iwaki en nuage, est-ce que tu commences par le haut ou par le bas? Sur un arbre, tu sais, quand il n'a pas de plateau encore, tu attaques par le bas ou par le haut? On peut commencer par la tête et puis descendre petit à petit. Là, en l'occurrence, celui-là, ouais, il fait combien là? Il doit faire 3 mètres, non? Il fait presque 4... avec la motte, il faisait 4 mètres. Ah, il fait 4 mètres, hein. La motte faisait 1 mètre cube. Il faisait 1 tonne 3. 1 tonne 3, sympa. La fosse, c'est de 1 mètre cube, c'est ça. La fosse, c'est-à-dire le trou de plantation. Et donc là, ouais, t'as déjà fait pas mal de plateaux. Celui-là, on voit la différence.
une fois nettoyé, et une fois celui d'en dessous qui n'est pas nettoyé. Vous voyez la différence? Oui. Là, ah oui, celui qui n'est pas nettoyé, c'est flagrant. Ouais. C'est le nombre d'aiguilles mortes. Celui-là, on voit maintenant. Il est éclairci. La plante respire, quoi. Il est bien éclairci. Donc la règle, c'est sélectionner des branches charpentières, des branches fortes, créer des plateaux et éclaircir les plateaux et pour supprimer des branches qui rentrent carrément à l'intérieur, qui verront jamais la lumière, qui vont accumuler des aiguilles mortes et des branches mortes. Ouais, là on le voit d'ailleurs. Des branches tordues comme ça, ouais. Qui sont disgracieuses, quoi. Et après, les branches qui vraiment descendent, on les supprime pour garder cet effet de plateau. On le coupe à la base. Voilà. Ouais. Là, tu as encore pas mal de petites flèches en haut. Il y a encore beaucoup de travail. Ouais. Et c'est super, un arbre qui a été planté donc il y a à peu près une année. Oui, ça fait un an. Ouais. Et qui n'a pas du tout été travaillé depuis au moins 2 ans. Mais c'est bien, comme ça, il s'est là, acclimaté. Il faut le faire parce que la tête, après, elle est à succès, quoi. Bien sûr. Donc, et là, vous voyez la différence. Hein. Et là, comme tu dis, il a été planté il y a un an, mais le nombre d'aiguilles mortes et de bois morts est assez impressionnant, quand même. Surtout là, c'est dingue. Il a que un an, ça fait que un an qu'il est là. Ouais. Et il a généré sur ses plateaux, par exemple, un nombre d'aiguilles mortes tellement important que la branche, on dirait presque qu'elle est morte, en fait. Bah, tout à l'heure, oui, il y en a un qui me demandait s'il n'y avait pas un nid dedans. Il dit non, ce sont que les aiguilles mortes de l'année dernière. De l'année dernière. Pour le pin, tu vois, elles ont bouffé les aiguilles. C'est une chenille qui est dedans, qui niche dedans. Ça, c'est sur ses excréments. Voilà. Et elle a mangé toutes les aiguilles qu'il y avait là. C'est une défoliatrice. Alors je sais pas si la bestiole, mais ça m'étonnerait qu'elle soit dedans. À cette époque elle doit plus y être. Ouais. Et donc ça à virer quoi? À virer. Ouh là là, c'est très très. Bon c'est là pas... en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on respecte les distances de sécurité. Hein. Là, c'est sûr, oui. Là t'es à 4 mètres de haut. On est au grand air. C'est clair. Même si moi j'ai mon masque hein, quand même. Ouais. Eh ben dis donc, ça fait un sacré boulot et cet été. Quelles opérations tu pourras faire dessus après le départ de la végétation? Surtout le suivre à l'arrosage, comme j'ai dit, c'est très important, vu que c'est une plante qui n'y a pas si longtemps qu'elle est plantée. Et puis, régulièrement, enlever les branches disgracieuses, celles qui descendent, pour garder l'effet plateau, supprimer les aiguilles, nettoyer, enlever les... s'il y a du bois mort, quoi. Et c'est cette taille que tu fais qui est assez importante, est-ce que tu l'as fait que à cette période-là ou est-ce qu'en été, tu pourrais le refaire? On peut le faire à la fin... Début d'automne, et puis après on commence au mois de mars. D'accord. Avant le grand départ de végétation. Ok, et eh ben merci beaucoup Jean-Jacques, je te laisse dans ton arbre. Merci. J'essaye de descendre sans me casser la figure. Ça roule. Merci Jean-Jacques. Je t'en prie. À plus tard. Ciao.